question plus en détail par rapport au début, où déjà dès le début, vous annoncez par des petits détails qu'il faut aller chercher. Moi, c'est la deuxième fois que je le vois, donc c'est une bonne occasion. Notamment ce gars qui est planqué sous les taux et qui est déjà un peu dans ce post-traumatisme que vous annoncez. Oui. Et voir d'autres soldats. En fait, c'était des. Ils étaient en état de sidération, en fait. Hein. Et c'est un peu ça que je cherche aussi, très modestement, mais à créer un effet de sidération quand même sur le spectateur aussi. Par cette première séquence très choc comme ça. Et parce que, en fait, si vous voulez, en fait, ce qui m'a servi le plus pour monter, pour écrire et pour filmer cette première séquence, c'est la littérature, en fait. Et moi, dans les. Tout ce que j'ai eu beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale, les tranchées, etc. Et en fait, j'ai toujours été insatisfait, je n'ai jamais retrouvé ce que je sentais à la lecture des récits, des grands romans en guerre. Parce que c'est. Oui, bah, j'ai lu. J'ai, le premier que j'ai lu, j'avais lu La main coupée de Sandra, par exemple, j'ai lu ceux de 14. Le Genevois, d'Orgelès, les Croix de Bois, le Feu, Barbus, la peur de Gabriel Chevalier, entre autres, et puis d'autres choses qui sont des choses moins connues ou qui sont des témoignages tout simplement. Donc, et c'est tellement dantesque ce qu'il raconte que je me suis dit en fait c'est faut repartir de là en fait. Leurs descriptions sont plus fortes en fait que les images que j'avais vues. Je me suis dit, je vais essayer plutôt de repartir de ça. Quoi. Et puis d'images d'archives aussi, mais alors qui sont que des photos, hein, des photos de, qu'on peut retrouver à l'ECPAD ou dans tous les services les archives des armées. Quoi. On peut revenir sur le choix de Romain Duris. Vous en avez parlé, mais c'était pour la salle tout à l'heure. Oui. Vous nous disiez que c'était pas, vous n'aviez pas pensé à Romain Duris, à un autre acteur plus balèze. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée? Et puis comment, finalement, votre regard s'est-il tourné vers Romain Duris et au point d'être convaincu? Au départ, en fait, oui, je pensais à des choses qui, pour moi, étaient plus évidentes. Donc des acteurs qui dégageaient peut-être plus de... Par exemple. En fait, j'ai pensé, en l'écrivant, je pensais à Mathias Schoenaerts. Voilà. Mais peut-être avec Mathias Schoenaerts, j'aurais pas commenté le film. Voilà. Parce qu'effectivement, Romain a une notoriété évidemment supérieure. Mais c'est pour vous dire le type d'acteur, par exemple. Hein. Mais j'ai été amené, parce que je trouvais pas, parce que ça se faisait pas, et puis que. Et en fait. C'est plutôt c'est son agent qui m'a dit il faudrait que vous pensiez à Romain. Voilà. Et Romain, c'est vrai que j'imaginais pas du tout là-dedans. Voilà. J'étais un peu prisonnier de mes préjugés en fait. Puis de l'image qui véhicule à travers ses films. Mais en fait, il n'a pas fait que ça. Et c'est vrai, quand on voit De battre, mon cœur s'est arrêté, évidemment. Ou Persécution de Chéreau, par exemple. Il a fait d'autres films, hein, puis il a fait des films ça me reviendra. J'ai vu là-dedans, en fait, des personnages plus sombres, etc., plus introvertis, quelque chose qui tranchait sur un jeune premier parisien sémillant. Un peu immature, un film de Clapiche, enfin dans lequel il excelle d'ailleurs, mais c'est ou l'arnaqueur, etc. Donc, et puis voilà, et puis en fait, je l'ai rencontré. Et alors je l'ai rencontré, je pensais qu'il avait lu le scénario, mais en fait, il savait pas. Il me dit, c'est juste mon agent me dit, il faut absolument que tu rencontres Emmanuel Courcol. Il m'a dit, il est à fond sur le film. C'est vrai que Laurent Grégoire, son agent, nous a aidés, il m'a beaucoup, il avait adoré le scénario. Et donc je lui ai raconté le film, il a dit, ah, ça m'intéresse, je vais lire. Mais il l'a lu le lendemain, il m'a rappelé le lendemain. Quoi. Il m'a dit, et c'est vrai parce que le premier mot qu'il a dit, c'est peut-être ça qui m'a convaincu, il m'a dit, quel voyage. Et en fait, je crois que c'était, il avait compris l'esprit du film. C'était un voyage intérieur, un voyage aussi extérieur. Dans le temps et dans l'espace. Et
Et à partir de là, effectivement, j'ai simplement envisagé le rôle différemment, en me disant, et si c'était lui, comment ça va être, effectivement. Et dans ces cas-là, on voit tout ce qu'il va amener, lui, dans ses bagages, et puis tout ce qu'il aura à faire, le chemin qu'il aura à faire vers le rôle. Et c'est vrai que et du coup, c'est intéressant parce que ça amène de la complexité aussi au personnage. C'est un personnage qui a ses fragilités, qui est très en tension comme ça, qui a une élégance. Alors je dirais que j'étais plutôt sur un Gabin au départ, et en fait c'est devenu plus un Pierre Fresnay, voilà, un peu ça, disons. Et du coup après je me suis dit en fait c'est mieux. Et le choix de Céline ? Céline, je la connaissais pas, mais je la connaissais juste, je l'avais vue dans deux ou trois films, et je l'imaginais là-dedans. Dans cette femme indépendante, oui. Moderne, parce que je trouve que c'était une actrice que je connaissais pas, mais je trouvais qu'il y avait une espèce de liberté qui se dégageait d'elle, et en même temps une grande sensibilité, quelque chose de tragique aussi, qu'elle ne joue jamais. Une volonté aussi qu'elle a, une espèce de volonté, cette espèce déjà de suffragette. Quelque chose de décidé en même temps, et d'irréductible comme ça. Donc voilà, je dirais qu'à l'écriture, déjà, je l'avais dans un coin de ma tête. Et puisqu'on est sur les personnages, il y a aussi la mère, qui est un beau personnage, magnifique. Oui. Et Madeleine aussi, toute cette douceur qui contrebalance. Moi, j'adore les comédiens, en fait. Ce sont mes pères, puisque je viens de là, moi. Donc, Marie-Yvonne, j'avais joué avec elle il y a longtemps, au théâtre. J'ai toujours gardé un lien très amical avec elle, mais c'est vrai que je l'imaginais tout à fait dans le rôle, je pense à elle, très tôt. Et Julie-Marie Parmentier, donc, qui fait Madeleine, et puis Grégory Gavois, j'avais tourné un court-métrage avec eux avant, c'est des acteurs aussi exceptionnels pour moi, c'est des gens qui sont dans une subtilité incroyable. Alors si on parle de personnalité exceptionnelle, vous avez une Rolls au niveau de la photo, chef opérateur, Tom Stern, chef op des films de Clint Eastwood, qui a vécu en partie en France. Oui. Mais pour un premier film, c'est exceptionnel, non ? Dans le fond, j'ai mis le temps pour faire un premier film, alors autant commencer tout de suite avec le 10e film. Je me suis dit, je vais commencer par faire le 10e. Non, mais c'est un petit peu le hasard des rencontres. Quand on m'a dit, faudrait penser à Tom Stern, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Donc voilà, je l'ai rencontré, il a lu le scénario, ça lui a plu, on s'est bien entendu. Puis c'est quelqu'un, évidemment, c'est un grand technicien, un artiste de la photo, et puis c'est quelqu'un aussi qui se met complètement au service du projet. Et c'est une des premières choses qu'il m'a dit, moi je n'ai pas d'esthétique, mais... votre esthétique sera la mienne. C'est-à-dire que je me mets au service du film. Voilà. Il m'a tout de suite, je m'arrangerai pour qu'il ne vous manque rien. D'où d'ailleurs les couleurs, la photo différente quand on est en Afrique, quand on est au village, quand on est de nuit, de jour, qui renvoie d'ailleurs à l'esprit et à ce qui tiraille l'esprit intérieur. Oui, parce que de toute façon, je voulais un film comme ça, extrêmement rythmé par les couleurs. Les décors sont là, qui imposent une couleur. Hein. Mais quelque chose d'assez chatoyant comme ça. Et puis surtout, c'est vrai que c'est un film dans lequel on s'embarque, il y a des grandes variantes de rythme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des plages qui sont plus contemplatives, hein, comme en Afrique, et puis il y a des accélérations, etc. Et c'est rythmé aussi pour moi par cette lumière très différente, jour, nuit, ville, campagne, etc., sable. Même dans le grenier, il propose toute une autre couleur, toute une atmosphère qui annonce déjà presque la tragédie qui va suivre. Oui. Non, puis il y a Stasma. Il y a aussi, tout ça, c'est le confinement aussi de la maison familiale, avec tout le drame confiné à l'intérieur. En fait, c'est, et je, c'est,
je pense que c'est un film aussi qui est assez sensoriel, en fait. Et ça passe aussi beaucoup par ça, la contention du film, en fait. Je crois que c'est un film dans lequel il faut s'abandonner un peu à ses sensations, en fait. Qui sont des sensations un peu primaires, comme ça. Dès le début, d'ailleurs, c'est la peur. Hein. C'est... Et puis, il y a une sensualité, oui, quelque part. Alors, bien sûr, vous connaissiez bien les plateaux de cinéma, puisque vous avez un parcours de comédien. Oui. Mais par rapport à vos scénarios, ce que vous avez écrit, je pense que votre travail s'arrêtait souvent au premier jour de tournage, en tout cas. Oui. Mais là, de pouvoir accompagner, de mettre en scène votre scénario et de vivre, vous l'attendiez, cette expérience de réalisateur, est-ce que la réalité a été à la hauteur de votre attente ou... Non, ça a été beaucoup mieux, même. Non, c'est-à-dire que, en fait, effectivement, comme c'est une chose que j'ai mûri depuis longtemps, en fait, mais tout simplement parce que je crois que il faut du temps, enfin, en tout cas pour moi, il me fallait du temps pour me sentir légitime. C'était tout, le cinéma. Moi, je viens principalement du théâtre, et le cinéma, pour moi, était quelque chose de très intimidant, en tout cas auquel. Alors, il s'est trouvé que je suis rentré par la porte de l'écriture, c'est ma rencontre avec Philippe Leray, en fait, qui m'a fait. Rentrer là-dedans et ça a été un accélérateur pour moi. Mais de là à passer à vraiment à l'action, vraiment, action, et ben ça fallait que je me sente légitime. Donc ça a pris du temps, ça, que je m'apprivoise avec ce monde-là, que je me. Voilà, j'ai essayé d'accompagner au maximum les films de Philippe sur les plateaux pour apprendre, en fait. Et puis aussi en tant qu'acteur j'ai tourné, donc aussi j'ai appris. Et puis et ben, avec l'âge, j'ai pris. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, là, c'est maintenant, là, sinon après ce sera maintenant. Pour une autre vie, donc je ne suis pas sûr qu'elle arrive. Donc, voilà. Donc non, mais j'ai pris un. Hein, et finalement, on me demande souvent, non, t'as dû avoir peur, ça dû avoir le trac et tout. Et en fait, non. Et c'est vrai que ce premier jour de tournage, quand je me suis retrouvé en Afrique avec Romain Duris et Tom Stern à côté de moi, en fait, je n'avais absolument pas peur. Et je me regardais faire, je me disais, mais enfin, c'est incroyable, t'as pas peur. Il me dit, non, je suis là, enfin, j'étais assez à l'aise. Je crois que j'étais prêt, tout simplement. C'est pas pour me vanter, hein, mais c'est comme ça. Hein, c'est pas... D'ailleurs, je me vante pas. Hein. C'est pas bonjour. On sent cette espèce d'osmose du bon moment, des choses à saisir. En même temps, on est dans les mêmes thématiques qu'il y aurait, on est sur l'âme humaine. Ah bah oui, bah, je crois que de toute façon, si on a été amené à travailler ensemble sur plusieurs films, c'est bien qu'on avait des affinités sur ce plan-là. Et puis que après, voilà, c'était aussi l'envie pour moi d'aller au bout de mes idées. Je crois qu'il s'installe aussi, pour moi, il s'est installé petit à petit une forme de frustration dans le travail de l'écriture, parce que évidemment les choix sont. C'est le réalisateur qui est le maître d'œuvre. Donc, le scénariste se met un peu quand même au service du réalisateur, qui écrit avec lui, c'était le cas avec Philippe, et donc c'est bien légitime. D'ailleurs. Donc je me suis dit, ben, à un moment donné, il faudra que ce soit moi qui dicte les choix. C'est ça. Et même si je ne suis pas très sûr de moi, mais si je doute beaucoup, ben, j'assumerai mes choix. Du coup, vous êtes satisfait du scénariste Emmanuel Courcol, enfin vous, réalisateur? Oui, mais je pense qu'il peut mieux faire. Mais après le passage au tournage, au montage, surtout, après, on envisage un peu différemment l'écriture. Je pense qu'il y a des choses que j'aurais pu changer dès l'écriture. Mais c'était pas mal. Et du coup, Romain Duris va devenir votre Vincent Lindon? Ben, je sais pas, hein, pourquoi pas. Ben, en tout cas, ça a été comme ça a été vraiment une très belle collaboration, c'est très bien entendu. Et puis que c'est un acteur, je dirais, facile, dans le sens où c'est quelqu'un qui est d'abord très, très bosseur, très sérieux dans le travail, très consciencieux, et puis qui est beaucoup en demande de collaboration avec le réalisateur. Pas quelqu'un qui fait son truc dans son coin, avec qui on ne peut pas parler, mais au contraire. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et donc, voilà, et puis c'est vrai que c'est quelqu'un d'agréable en plus sur un plateau. Donc, ça gâche pas le plaisir. Donc, d'accord. Je repartirai le clip, peut-être, si j'ai quelque chose pour lui. Et s'il est d'accord. Mais je crois que lui, il serait plutôt partant. Donc, justement, est-ce que vous avez un projet déjà, une thématique? Oui, j'ai un projet. Je suis en train de finir
sur la fin de l'écriture de mon scénario. Alors là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir. C'est un film contemporain qui met en scène des détenus qui montent une pièce de théâtre. Alors c'est très vague, hein, mais c'est, en tout cas c'est autour de ça. Et ça se passe en France de nos jours. Le point d'élément déclencheur, c'est quoi ? Enfin, l'idée, c'est quelque chose que vous avez vécu ? C'est d'après un fait divers, en fait. D'après une histoire vraie, comme on dit sur les affiches. Et pour en revenir au film, dès le départ, quand vous l'avez écrit, quand vous l'avez réalisé, vous avez pensé à opposer l'espace extérieur et l'espace intérieur du personnage. C'est-à-dire que quand il est resserré dans son mental, dans son esprit, l'espace extérieur est large, et quand son esprit s'ouvre à l'amour, à la femme, l'espace se rétrécit. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Mais c'était pour moi une évidence, en fait, effectivement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de... J'ai avoir un esprit assez dialectique, en fait. J'aime bien mettre quelque chose et son contraire en même temps. Donc, il y a un contrepoint comme ça, ça s'en fait partie. Vous avez aussi montré les années folles. Oui. Vous parlez des années folles. Oui. Bon, on voit ça aussi souvent au cinéma, cette période-là, les années 20, dans la folie de l'après-guerre. Oui, c'est une période qui est évidemment très intéressante. Qui est très célèbre mais peu connue finalement. C'est vrai que c'est encore une fois c'est ce paradoxe là, c'est confronter un type qui est fracassé et qui est plongé du jour au lendemain au milieu des paillettes et des danseuses nues et d'une espèce de. Alors là aussi ça m'amusait de le plonger dans cette séquence de fête, de cabaret de jazz avec un orchestre africain, un orchestre noir, c'est le début du jazz, hein, c'est le début du jazz, avec des musiciens noirs américains, parce que c'est eux qui ont amené le jazz, et une espèce, des gens déguisés en africains ou en coloniaux, donc plongés au milieu d'une Afrique de pacotille, comme ça, c'est évidemment, ça tendait tout de suite, ça tendait le personnage, quoi. En même temps, c'est le côté dérision de l'époque. Quoi. Oui, son regard sur les colonies qu'elle ne connaît pas ou qu'elle reconnaît. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est une espèce d'ironie comme ça. Il y a de la comédie au fond. En fait, probablement qu'il y a un peu plus de comédie qu'on ne ressent à la première vision. Mais en fait, j'ai essayé de mettre des moments de comédie. C'est sur un mode assez ironique quand même. Mais il y a des moments de comédie quand même dans ce film. Cocasse, je dirais, ou décalé. Ou en Afrique, ou... Avec le pique-nique, par exemple, qui est un beau moment. Il y a, par exemple, cette séquence avec l'enfant. Avec l'enfant, oui. Qui apprend les signes du langage, oui. Qu'on croit muet, qui en fin de compte ne l'est pas. Oui. Et après, quand on apprend la vérité, déjà, il y a des indices comme ça. Vous aimez aussi justement glisser ces oui. petits indices qu'après le spectateur a une deuxième... Oui, mais je pense qu'il y a énormément d'indices dans ce film. C'est pas que j'ai eu envie de faire un jeu de piste spécialement, c'est que... En fait, pour nourrir la vie d'un personnage, il faut quand même induire beaucoup d'arrière-plan. Et donc, c'est des choses qui s'échappent, comme ça. Voilà, il ouvre un tiroir, on voit une photo, voilà, il a été marié, quoi. Paf, et ça se referme, et si on a braillé pendant ce temps-là, on ne l'a pas vu, quoi. Il ne faut pas revenir voir le film. Mais c'est vrai que c'est ces petites choses-là, en fait, donnent beaucoup de profondeur d'arrière-plan, en fait, au personnage. Et c'est vrai que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. Donc, je le dis, effectivement, prenez un abonnement. Bon pour les entrées. Vous donnez beaucoup d'importance à la langue des signes. Alors, historiquement, elle était vraiment utilisée auprès des blessés psychiques, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Pourquoi cet axe-là ? Alors, déjà, la langue des signes, c'est pas... Je l'ai abordé, mais je n'ai pas traité le sujet véritablement, parce que ça prendrait trop de place aussi. Mais moi j'ai utilisé la langue des signes juste comme une espèce de vecteur de.
enfin, de socialisation en fait, du personnage qui est complètement muré dans son autisme et dans sa surdité. Et c'est aussi... alors, la langue des signes, comment elle était pratiquée à l'époque? On a mis beaucoup de bâtons dans les roues à cette langue, parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit pratiquée. Ça a été interdit, etc. Enfin, c'était interdit, on n'allait pas en prison, mais c'était dans l'institution, à un moment donné, ça a été interdit. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était la volonté de la mère, en fait, d'amener... ça traduisait, si vous voulez, la relation de cette mère avec ce fils dont elle ne sait pas quoi faire, et elle cherche quelque chose pour le tirer de cette espèce de torpeur, cette mort en fait, lente. Et il y a cette jeune femme qui surgit et qui vient lui enseigner la langue des signes. Et tout d'un coup, elle capte quelque chose chez lui qui est bien plus que la communication, c'est déjà les sentiments. C'est une ouverture sur... Un avenir possible, même si ça prend du temps, même si c'est difficile. C'est déjà des fantômes vivants, tous les deux. Oui. Et quand elle arrive avec Essing et qu'elle se met à la fenêtre, tout à coup, il voit, alors qu'il ne voyait plus. Il ne peut pas voir, effectivement. Et ça le séduit, ça. Cette fille qui fait comme une blague, quasiment. Hein, qui revient devant lui et qui se coupe. Et c'est le personnage, hein, parce qu'elle a fait quasiment pareil avec Georges aussi. Ouais. D'une autre façon, mais elle se met devant lui, elle se met face à lui, elle lui dit « Ouais, je suis comme ça, et ce ne sera pas autrement avec moi. » C'est deux fantômes qu'elle éveille, en fait. Oui. Les fantômes ne sont pas qu'à l'intérieur, ils sont aussi extérieurs, ouais. C'est extraordinaire. Mais je dis une question, Catherine. Voilà, pourquoi la langue des signes, elle a été interdite? Parce que à une époque, on voulait absolument que ça passe... par l'écrit, je crois, il fallait lire sur les lèvres, il fallait absolument apprendre à parler au sommet. Voilà, on a considéré à un moment donné que ça allait les maintenir dans une forme de. Et puis je pense qu'il y a quelque chose qui a effrayé les gens, qui est étranger, quoi, qui est étranger au monde des entendants. Cette langue fait un peu peur d'une certaine façon. Parce que c'est une langue étrangère. Et donc pour mettre les gens dans la société, dans notre société, je crois que c'est une question enfin, qui est générale, je cherche le mot, ce mot qu'on emploie tout le temps. C'est la discrimination, voilà. Oui. C'est vraiment de la discrimination. Puis c'est le geste aussi. Le geste, c'est le geste. Et puis il y a quelque chose aussi qui était peut-être considéré comme un petit peu... vulgaire, dérangeant. C'est le feu, je crois. Ouais. Merci.